Ce nouveau numéro de l'émission de l'Addition, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous entretenir avec Jean-Pierre Garnier. Bonjour Jean-Pierre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout d'abord, je tenterai de vous présenter en quelques mots, même si votre parcours est très vaste. Vous êtes double docteur en sociologie urbaine et en urbanisme et aménagement après avoir été diplômé de Sciences Po Paris. Il est difficile de résumer votre parcours entre la Havane, Paris et le Tréport. Et Montpellier aussi. Et Montpellier aussi. Et Toulouse. Et le Mirail aussi, l'université du Mirail. Et l'université espagnole aussi. Vous avez alors pour votre, vous êtes toujours en train de vous questionner, de questionner l'espace urbain à travers le prisme de la lutte des classes, qui est selon vous relégué aujourd'hui au rang des concepts historiques périmés par les penseurs et les acteurs politiques contemporains. Vous vous définissez, je cite, comme un marxien contre vents et marées, ramant à contre-courant sans craindre outre mesure la navigation solitaire et ses mésaventures. Et depuis 2015, vous tenez surtout sur le site de la librairie Tropique une chronique sur l'actualité politique nationale et internationale. Dans un style caustique qui vous caractérise, on pourrait vous surnommer El Burlador Revolucionario. Alors, pour commencer, dans cette première partie, sociologie et urbanisme, qui est votre base professionnelle, pouvez-vous avant tout faire une mise au point conceptuelle entre ce qui distingue un marxien, ce dont vous vous réclamez vous-même, et marxiste, ou le marxisme ? Bon, alors ce distinguo a été fait par pas mal de personnes, y compris des anti-marxistes, comme par exemple le philosophe Raymond Aron, qui distinguait aussi les marxistes des marxiens. Mais pour lui, les marxistes, c'était des communistes, staliniens, c'était l'ennemi, quoi. Et marxiens, c'est ceux qui étudiaient Marx. Bon, moi, ce qui me concerne, j'ai puisé surtout dans les écrits d'un des meilleurs spécialistes de Marx, qui est mort maintenant, qui s'appelait Maximilien Rubel, qui a écrit beaucoup de bouquins, qui était chercheur au CNRS, et qui, pour lui, il fallait absolument ne pas confondre ce marxisme en tant qu'idéologie d'appareil de bureaucratie autoritaire qui, en fait, renvoyait des régimes de capitalisme d'État. Donc, il n'avait rien ni de socialiste ni de communisme. Et pour lui, c'était ça, le marxisme. Une idéologie justificatrice qui déformait totalement les conceptions de Marx. Et il préférait, et c'est lui qui est le premier à l'utiliser, l'appellation marxien pour dire ce qui relève de la pensée de Marx lui-même, et non pas de ses interprètes, ni de ceux qui se réclamaient de lui. Avant d'entrer dans le vif du sujet de votre parcours et de vos analyses, vous avez d'abord travaillé à l'Institut d'aménagement d'urbanisme en région parisienne, entre 63 et 66. Mais vous étiez déjà politisé, je pense, à l'époque. Mais surtout, vous êtes parti... C'est là peut-être le plus important dans votre parcours pour la suite. Vous êtes parti à Cuba. Vous êtes parti de 1966 à 1971 travailler sur le plan directeur de la Havane pour l'Institut de Planification Física de Cuba. En quoi est-ce que cette étape, selon vous, a été déterminante, bien qu'avant vous étiez politisé? Vous avez par exemple rapporté dans une autre entrevue chez la librairie Tropique que le fait, il me semble, d'avoir vécu le socialisme, entre guillemets, à Cuba et non à Paris, notamment pendant 68, vous avez protégé des illusions petites bourgeoises à prétention révolutionnaire. Comment est-ce que votre expérience à Cuba a pu vous faire bifurquer ou remettre en question, sur le moment, même pour la suite, jusqu'à aujourd'hui? Bifurquer, sans doute. Je vais signaler que quand je suis allé à Cuba, j'ai participé à la création d'une organisation d'extrême-gauche trotskiste qui s'appelait la JCR, la Jeunesse Communiste Révolutionnaire, qui est devenue aujourd'hui le NPA, qui n'a pas grand-chose à voir avec cette époque. La Jeunesse Communiste Révolutionnaire, qui était animée par trois intellectuels en vue, l'un est mort il y a longtemps, c'est Alain Krivine, un autre c'était Daniel Ben Saïd, qui était professeur de philosophie, et le troisième, Henri Weber, qui a terminé comme sénateur, député européen et complètement vendu au Parti Socialiste. Bon, mais à l'époque, c'était l'époque tiers-mondiste, si on peut dire, où beaucoup de jeunes, pas forcément les intellectuels, mais aussi étudiants, professeurs,
voyait dans le tiers-monde le successeur du mouvement ouvrier européen qui avait décliné, quoi. Donc, à cette époque, j'étais déjà politisé. Bon, petite parenthèse, je suis politisé, je veux dire, depuis ma plus tendre enfance, du fait que j'avais un père qui était libertaire. Un père qui m'emmenait à l'église, qui m'emmenait au défilé militaire et qui m'emmenait dans les bureaux de vote le jour des élections pour me montrer comment tout cela, c'était illusion, c'était farce et c'était un moyen pour la bourgeoisie de rester au pouvoir. Vous voyez comment j'étais. Et quand je suis après, j'ai fait mes études. Bon, à Sciences Po, c'est pareil. Ça, je dirais que Sciences Po, je l'ai vu, j'étais dedans, mais je voyais ça de l'extérieur. Mais il faut dire une chose. Vu l'époque à laquelle on était, la guerre d'Algérie n'était pas terminée et beaucoup d'étudiants étaient pour la paix en Algérie parce qu'ils avaient la trouille, ils étaient tous sursitaires si la guerre continuait d'être envoyés au front. Et bon, la guerre d'Algérie est terminée avant mes études, donc j'ai échappé, j'avais déjà pris mes précautions pour être un insoumis, non pas un insoumis de papier à la Mélenchon, mais pour quitter la France et avec d'autres. En attendant que la guerre d'Algérie, enfin, ce qu'ils appelaient la guerre d'Algérie, qui était un mouvement de libération, et c'est la raison pour laquelle notre slogan, c'était pas « Paix en Algérie », c'était « Victoire du FLN », vous voyez. La paix, c'est faut être tranquille, quoi. Donc, je me suis encore plus politisé, déjà, à mon retour du service militaire, dans une organisation, on peut dire, trotskiste. Et pour nous, à l'époque, pour cette organisation trotskiste-là, la Mecque du socialisme réel, ça n'était ni l'Union soviétique, ils étaient tous anti-staliniens, ni la Chine, ils étaient tous anti-maoïstes, c'était Cuba. Il y avait une intellectuelle cubaine, qui est toujours vivante d'ailleurs, pro-cubaine, qui disait « Cuba, l'aile marchande de la troisième tendance entre Union soviétique et Chine. Oui. » Et donc, j'ai été d'abord à Cuba dans le cadre d'un voyage organisé, entre guillemets, par les autorités cubaines et avec la JCR, pour voir un peu comment c'était. Quoi. Parce que j'avais déjà été dans pas mal de pays dits socialistes, sans illusion aucune. J'avais été en Allemagne de l'Est, j'avais été en Pologne, j'avais été en Tchécoslovaquie, je m'étais fiancé dans deux de ces pays. Et pour moi, je ne pensais pas que le bloc de l'Est était socialiste. Mais là, je croyais vraiment que Cuba, c'était quelque chose de différent. Donc j'y suis allé en 65, pour passer un mois, pour voir un peu l'ambiance. L'ambiance était telle qu'on la rêvait, hein, c'est-à-dire la fantaisie, la combativité, l'anti-impérialisme, la peur évidemment d'être envahi à nouveau, il y a eu la baie des cochons deux ans avant, etc. Et le travail volontaire, couper la canne et tout le bazar, c'était vraiment le paradis socialiste à mes yeux, et à ceux des gens qui partageaient mes convictions. Alors donc là-dessus, j'avais pris des contacts déjà en France avec des Cubains, et des Vénézuéliens qui étaient liés au gouvernement, et on m'a recruté pour faire ce que je faisais à Paris, dans un contexte complètement différent, c'est participer à la confection d'un plan directeur pour le développement de la ville, la capitale, la Havane. À Paris, c'était la région parisienne. Donc je suis rentré chez moi, j'ai averti personne, sauf mon épouse de l'époque, que j'allais larguer mon travail sans prévenir. Et je suis revenu un an après et j'ai été recruté à Cuba comme au plan directeur de la Havane pour élaborer ce plan directeur. Et je signale qu'il y avait à l'époque, il y avait des coopérants beaucoup, c'était des Bulgares, mais j'avais des bonnes relations avec notamment deux, trois architectes italiens qui étaient sur les mêmes positions idéologiques de l'époque, gauchistes, et qui travaillaient déjà là-bas. Et j'ai commencé à travailler sur le plan directeur de la Havane. Voilà. Et est-ce que déjà à cette époque-là, l'urbanisme revêtait pour vous une importance cruciale dans les rapports de classe ? Est-ce que déjà à cette époque-là, même avant Cuba, vous aviez déjà en germe des réflexions sur le bâti, l'urbanisme, ou c'est venu peu après votre expérience cubaine ? Je dirais une chose, c'est-à-dire quand j'ai travaillé pendant 3 ans au schéma directeur de la région parisienne, je savais pertinemment que le réaménagement de la région parisienne était lié aux transformations du capitalisme. C'est-à-dire un capitalisme moderne, dynamique, pour qui le vieux tissu urbain parisien n'était pas adapté à l'évolution de l'industrie, du secteur tertiaire, de la population. Donc je savais qu'on travaillait pour le capitalisme. J'avais en quelque sorte une double pensée. Quand j'étais sur place, je travaillais au service de l'État. Enfin, bon.
D'ailleurs, la preuve, j'avais un costard et une cravate. Quand je collais des affiches et j'allais dans les manifs trotskistes, j'étais en t-shirt, quoi, vous voyez le genre, et en col roulé. Donc, je gère assez bien cette contradiction. Simplement, comme pour moi, comme pour d'autres, Cuba représentait une alternative aux pays socialistes existants, j'ai dit, bon, tant qu'à faire de l'urbanisme et de l'aménagement, je vais voir ce que ça va donner à Cuba. Et je suis bien tombé. Parce qu'à Cuba, à ce moment-là, justement, les deux Italiens qui étaient déjà avant moi à Cuba, eux, l'un d'eux était allé en France un an auparavant. Il avait ramené de France, parce qu'il était passé par Paris, le livre de Henri Lefebvre, Le droit à la ville. Moi, à l'époque, je n'avais pas lu une ligne d'Henri Lefebvre. Donc ça, c'était en quelle année, du coup, cette première... C'était en 1966, 68. 68. D'accord. Ah, 68. 68, d'ailleurs, j'y reviendrai, il y a eu un tournant dans la Révolution cubaine qui a fait que je suis un peu dissocié, tout en travaillant là-bas, tout en participant aux activités là-bas, travail volontaire de toutes sortes, je ne vais pas entrer dans le détail, la milice et tout le bazar, semer le café, je suis même marié, mais je voyais que le régime cubain commençait à fâcheusement ressembler au régime soviétique. Pour la raison suivante, je peux préciser, c'est qu'il y a eu une grande espérance à Cuba qui est née au moment de la conversion des révolutionnaires cubains au socialisme, en réponse aux agressions de l'impérialisme américain. Et l'idée des Cubains, c'était de créer, comme dira Le Che, qui était déjà parti, faut créer deux, trois Vietnam en Amérique latine. Les Russes ne voulaient pas de ça, ils avaient déjà à soutenir Cuba. C'était, Khrouchtchev avait lancé la coexistence pacifique, donc pas question de créer un autre Cuba en Amérique latine. Et Cuba a dû se plier de plus en plus à l'Union soviétique. Le Che était parti, d'abord en Afrique, ensuite il ira faire la guérilla en Bolivie. Et le résultat, il y a eu ce phénomène. Il y a eu aussi le fait qu'il y a eu l'intervention en Tchécoslovaquie des Russes en 1968, pour écraser un mouvement populaire, où Cuba était très gêné de voir l'armée russe étouffer ce mouvement populaire. Il y a eu mai 68, et à l'époque déjà, comme mai 68, le Parti communiste qui était français était très, très lié au Parti communiste cubain, les Cubains n'ont pas parlé beaucoup dans la presse et dans les médias de mai 68, et ont émis des réserves. Troisième fait qui montrait que Cuba était en train de virer, il y a eu le massacre de la place des Trois Cultures à Mexico, peu avant les Jeux Olympiques, toujours en 68, où il y a eu des centaines de morts assassinés sur cette place, le régime cubain s'est montré là aussi très discret. Pourquoi Cuba, le Mexique était le seul pays qui avait des relations d'Amérique latine avec Cuba. Là, j'ai vu que le Cuba enchanté ou enchanteur que j'avais découvert virait, quoi. Donc j'ai commencé à critiquer un peu le régime. Est-ce que à cette époque-là, entre 66 et 71, Cuba a pu influer aussi au niveau de votre perception de l'urbanisme, de l'architecture, pas tellement en fait? Je dirais qu'il y a eu effectivement un changement, une amélioration très nette de la situation des classes populaires en tant qu'habitants des villes et des campagnes aussi, entre parenthèses. Il y a eu l'expropriation aussi des grands propriétaires de canne à sucre, etc. Donc, et c'est là qu'on a essayé. Alors, je reviens à Henri Lefebvre. Donc, cet Italien ramène le droit à la ville. Je le lis, on est passionné. Et on dit, tiens, il faut faire un urbanisme qui ressemble à ce que propose Lefebvre. Par exemple, éviter de diviser la ville en portions spécialisées. Vous voyez, les travails d'un côté, les loisirs de l'autre, le commerce d'un troisième, l'habitat un quatrième. Il faut tout mélanger. Il faut que ce soit ludique, convivial, etc. On a proposé un plan où la ville de La Havane serait complètement différente de ce qu'on connaissait de l'urbanisme en France, à Paris, en région parisienne en particulier, où tout était technocratique, organisé de manière rigide, et on se disait, bon, ce qu'il faut, c'est que la dimension ludique, c'était le mot de Lefebvre, le jeu, soit importante dans la vie quotidienne. Et j'ai été chargé, lorsqu'on a fini ce plan, de présenter... Il y a eu une réunion au comité central, et c'est moi qui étais chargé de présenter à Fidel Castro le plan. Pourquoi ? Parce que la question est la suivante, c'est que j'étais habitué pendant 3 ans à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, et d'autre part, avant, à Sciences Po, à faire des exposés en 3 parties ou en 2 parties, très structurées.
Et les Cubains, enfin, mes supérieurs avaient dit, écoute, tu peux présenter ça de manière très, très, très organisée. Et j'ai présenté le plan au directeur, comme si j'avais été en train de faire un exposé au district de la région parisienne. Le résultat, je voyais Fidel qui marchait de long en large et qui a terminé en disant, bon, le ludique, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui va faire augmenter la production. Le plan était refusé. Voilà, je vous termine là-dessus. Donc après votre expérience à Cuba en 71, vous revenez en France, après avoir pu expérimenter dans le dur, dans un régime dit socialiste, l'urbanisme. Vous allez donc pouvoir faire vos armes en France, après mai 68, et l'apparition de la petite bourgeoisie intellectuelle qui a pris son essor. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions de son apparition et comment cette classe sociale a pu voir le jour ? Traditionnellement, la petite bourgeoisie qui existait déjà au 19e siècle et au 20e siècle avant les années 50, c'était une petite bourgeoisie liée à ce que Karl Marx appelait la petite production marchande. C'était des commerçants, c'était des artisans, c'était des petits paysans auxquels on pouvait ajouter les professions libérales. Le petit bourgeois, c'était quelqu'un de conformiste, d'obéissant et pas du tout lié à un esprit contestataire. Il s'est trouvé que, avec la modernisation et le développement du capitalisme, on a vu toute une série d'activités sur le plan technique, mais aussi sur le plan culturel, se développer, qui ont engendré le développement d'une nouvelle classe, et on peut dire une classe qui existait déjà, mais de manière extrêmement minoritaire, composée d'ingénieurs, de cadres, d'enseignants, de chercheurs, d'artistes. Et ces gens-là avaient un problème, si je peux dire. C'est que nous avions un régime, comme tous les pays d'Europe du Sud, l'Espagne franquiste, hein, le Portugal de Salazar, dictateur aussi, l'Italie qui était contrôlée par la démocratie chrétienne et la mafia. Et en France, on avait un régime autoritaire et centralisé qui était celui du général de Gaulle. Cette classe-là, qui montait sur le plan, j'allais dire, de l'importance économique et en même temps de l'importance culturelle, se sentait lésée sur le plan politique. Elle était bloquée dans son ascension. Mai 68, c'est la révolte de la petite bourgeoisie, la contestation par la petite bourgeoisie intellectuelle de son statut inférieur. Elle pensait qu'elle méritait mieux qu'être une classe complètement subordonnée, marginalisée. Et donc ça, c'était mon interprétation. Je n'ai pas été le seul, il y en a d'autres qui l'ont eu aussi. Et quand je suis arrivé, c'était après mai 68, je me suis aperçu que cette classe-là, déjà, avait été largement recrutée dans le domaine de la science et de l'éducation, l'enseignement supérieur. Moi-même, j'avais été recruté à Cuba par des profs qui étaient venus de Paris, parce que c'était la mode de recruter des profs critiques, contestataires, marxisants, trotskisants, anarchisants. Donc je suis rentré, j'ai été recruté de cette manière-là. Et quand je suis arrivé, je me suis trouvé un peu en porte-à-faux parce que j'ai vu beaucoup de gens qui tenaient des discours ultra-radicaux, issus de mai 68, avec tous les penseurs à la mode, hein, dont Derrida, Foucault, Deleuze. Hein. Ils faisaient la révolution dans les salles de cours. Hein. On avait même créé une université dans le bois de Vincennes qui était Paris 8. Et j'ai eu l'occasion justement de déjeuner une fois dans un restaurant, de manière privée, avec le président Georges Pompidou, pour la bonne raison que lui, il sortait de Normal Sup, et il avait un ami qui était pensionnaire comme lui, Rudulme, pensionnaire, coturne, on disait, qui est professeur à Sciences Po, professeur au Collège de France, qui s'appelait Louis Chevalier, qui est aussi professeur à Sciences Po. On avait lié connaissance du temps que j'étais à Sciences Po. Quand je suis revenu à Paris, j'ai gardé des relations avec lui, mais je lui expliquais que cette couche pseudo-révolutionnaire ne pensait qu'à une chose, c'est d'accéder au pouvoir central, au pouvoir tout court. Elle avait le pouvoir intellectuel, elle avait le pouvoir, si on peut dire, des responsabilités économiques, mais elle pensait qu'elle méritait mieux que ça. Elle méritait de co-gérer la France. Et mai 68, c'est la révolte d'une classe frustrée. J'ai dit ça à ce professeur, qui s'appelait donc Louis Chevalier, qui avait écrit un bouquin très célèbre, « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Et il m'a dit, ah, votre interprétation, ça plairait au président Pompidou, ça vous plairait de le rencontrer. J'ai dit, pourquoi pas. Et à l'époque, j'avais rompu avec le trotskisme, mais j'étais avec des groupes anarchistes. Ça ne s'était pas amélioré. Et on est allé dans un restaurant, ils avaient l'habitude d'aller le mardi, quand Pompidou était libre, de la rive gauche, et le Balzac, pour être précis. Et
Bon, au début, on a comme Pompidou a commencé à me parler du dernier film de Godard, pour savoir ce que j'en pensais. Puis après, on a dérivé, et puis à un moment, je suis arrivé. Il dit, alors il paraît que Godard, pour vous, c'est le typique représentant de la petite bourgeoisie intellectuelle. J'ai dit, oui, je commence à expliquer mon interprétation. Et Pompidou me dit, je vais vous dire une chose, bon, je ne suis pas marxiste. Il faut dire qu'on était au milieu du repas, j'avais bien bu. Et je dis, vous savez, monsieur le président, si vous me dites que vous êtes marxiste, là, c'est un scoop. Il faut dire que Pompidou est un personnage très sympathique, entre nous soit dit, jovial, hein, bon vivant. Et il me dit, vous savez, alors là, je risque d'être long, parce qu'il m'a raconté, lui, comment il avait vu mai 68. C'est assez extraordinaire, parce que c'est lui qui me le raconte. Il dit, quand la Sorbonne a été envahie par tous ces gauchistes, avec ses pancartes, avec ses affiches, avec ses panneaux, « Vive le Che, le Vietnam vaincra, abat le capitalisme », le général de Gaulle était un peu effrayé. Et il dit, vous savez qu'il est, c'est pour ça qu'il a été plus tard voir le général Massu à Baden-Baden, de l'autre côté de la frontière. Mais nous, on savait ce que c'était. Et on a dit au général, vous savez, ces gens-là, c'est la future classe dirigeante que vous voyez là. On ne peut pas faire tirer sur la classe dirigeante. C'est Pompidou qui parle, c'est pas moi. Et de Gaulle lui a répondu, Dixit Pompidou, moi j'y étais pas, bon, je vous donne une semaine pour régler le problème. En 5 jours, ça a été réglé. Il a négocié avec un certain nombre de leaders dont il n'a pas voulu me donner le nom. Il y avait Foucault dans le lot, hein, mais il y en avait d'autres. Je ne vais pas faire la liste, surtout que c'est Pompidou qui parlait. Et il dit, on a dégagé pacifiquement la Sorbonne. Et je lui dis, ah oui, c'est pas étonnant, parce que moi, en plus, à l'époque, je faisais des cours de vacataire à Paris 8. Je lui dis, à Paris 8, c'est pareil, ils sont toujours en train de faire la révolution de papier, verbal, mais il se passe pas grand-chose. Pompidou, il dit, vous savez pourquoi ? On a vu qu'on pouvait peut-être envoyer ces gauchistes dans un bois aux environs de Paris, on leur ferait une université où ils feraient la révolution dans les salles de cours, et ils nous foutront la paix dans la rue. Texto, hein ? C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, les Mao ont foutu un peu le bordel. Mais ça... Voilà. Alors, c'est pour vous dire que déjà, j'avais une... Par rapport à ma classe, parce que je fais partie de la petite bourgeoisie intellectuelle, hein, tous les gens enseignants, diplômés, etc., mais j'étais en porte-à-faux vis-à-vis de cette classe. Et je me suis, comme j'étais spécialisé dans l'urbanisme, l'aménagement, la sociologie urbaine, j'ai dit, tiens, je vais examiner de près le rôle de cette classe dans la reproduction des rapports de production capitaliste, c'est-à-dire des rapports d'exploitation économique et de domination. Et justement, d'où tenez-vous votre concept de petite bourgeoisie intellectuelle ou de néo-petite bourgeoisie intellectuelle ? Ben, je le tiens en partie du sociologue Pierre Bourdieu, qui n'utilisait pas ce concept, il parlait de la nouvelle petite bourgeoisie, mais la définition était la même, c'est-à-dire dans le cadre de la division sociale du travail propre au capitalisme, il y a les tâches de direction qui sont monopolisées par la bourgeoisie, la classe dirigeante, qu'il s'agisse des hauts fonctionnaires ou qu'il s'agisse des propriétaires privés. En bas, il y avait les tâches il y a toujours, malheureusement, les tâches d'exécution accomplies par les ouvriers et les employés. Et entre les deux, il insistait beaucoup là-dessus, il y a des tâches de médiation, tâches intermédiaires, qui font le lien entre ceux du haut et ceux du bas, ou celles du haut et celles du bas. Et ces tâches de médiation... elle se décompose en quatre, si on peut dire. Il y avait les tâches de conception. Conception, ça peut être n'importe quoi, des poètes, des profs, des théoriciens, des intellectuels. Les tâches d'organisation, les tâches de contrôle et les tâches aussi d'inculcation idéologique, c'est-à-dire de formatage des esprits. Cette couche intermédiaire-là, il l'appelait, il disait la petite bourgeoisie, la nouvelle petite bourgeoisie, ce sont les agents dominés de la domination. Ils sont à la fois dominés par la bourgeoisie, mais ils dominent ceux qui sont assignés à des tâches d'exécution. Et moi, je disais toujours, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont, surtout ceux de gauche, ils ne veulent pas reconnaître ce rôle, somme toute subordonné qu'ils ont, et en plus de complices objectifs de la domination bourgeoise. Et je disais souvent, ils ne peuvent assurer ce qu'ils vont faire qu'à la condition de ne pas assumer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire ce qu'ils font, ce que la division du travail les oblige à faire, qu'à la condition d'ignorer, volontairement ou non, ce qu'ils sont, à savoir des agents dominés et de la domination. Bien, ce genre de discours, dans le milieu qui était le mien, celui des profs d'université et des chercheurs, ne passait pas. Parce que ces gens-là sont toujours en train de parler au nom du peuple et ne veulent surtout pas
reconnaître que le rôle correspond parfaitement aux caractéristiques du capitalisme à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Capitalisme qui est fondé essentiellement sur des tâches intellectuelles et techniciennes, et où le rôle de cette classe est un rôle clé. Et j'ai dit tout à l'heure que le problème de cette classe était que, vu l'importance de son rôle, elle était frustrée de ne pas pouvoir accéder pleinement, sur le plan politique, à des tâches de direction, des tâches de commandement. Et justement, après cette ascension de la petite bourgeoisie intellectuelle dans les universités, les médias, les cabinets ministériels, il y en a une qui est beaucoup plus matérielle, qui est la gentrification ou l'embourgeoisement des quartiers populaires, notamment à l'est de Paris, pour parler de la capitale. Dans justement un de vos articles, vous titrez « Les petits bourgeois de gauche colonisent les quartiers populaires de Paris et c'est tout l'idéal d'émancipation collective qui déménage ». Vous, en tant que sociologue et urbaniste, vous voyez qu'il y a eu vraiment même un changement de population. Ah ben oui, c'est très connu. Je veux dire qu'à partir du moment où ces nouvelles couches sociales, donc diplômées, si on peut dire, cultivées, pour, entre guillemets ou sans guillemets, deviennent importantes, leur localisation compte beaucoup. Ces gens-là vont essentiellement trouver un habitat qui correspond à leur fonction, que j'ai dit de classe intermédiaire, et à leur désir et à leur mode de vie, dans principalement les centres des grandes villes. Parce qu'ils ont besoin, pour leur travail, de communiquer directement avec les quartiers généraux des firmes multinationales, hein, par exemple. Ils ont besoin de, comment dirais-je, d'échanger entre eux. Ils doivent être concentrés dans des villes qui ont un rôle clé dans le développement du capitalisme à l'échelle planétaire, c'est-à-dire dans des villes qui sont le produit, leur évolution est le produit d'un processus que l'on appelle la métropolisation. C'est-à-dire que certaines villes importantes vont devenir les points d'ancrage du développement capitaliste en ce qui concerne la recherche, en ce qui concerne l'enseignement, en ce qui concerne une activité fondamentale, la publicité. Et le reste du pays sera comment, délaissé, vous voyez. Je vais reprendre ce que dit un sociologue, un géographe qui est très mal vu par mes collègues, que je ne connais pas personnellement, qui s'appelle Christophe Guillouis, et qui parle de la France périphérique. La France périphérique, c'est là où sont réfugiés, délaissés, marginalisés, des gens qui ne participent pas du développement du capitalisme moderne ou postmoderne. Et donc la métropole, c'est là où vont vivre, où continueront à vivre les bourgeois, hein, la classe dirigeante, la classe possédante, mais en même temps, cette classe diplômée, dont la présence est fondamentale pour les activités qui se développent à l'échelle, je dis bien transnationale, puisque aujourd'hui, la référence des capitalistes, ce n'est pas l'État-nation, c'est certains points, certaines zones, certains territoires de tel ou tel pays. La France, entre parenthèses, ne les intéresse pas en tant que pays. Ce qui les intéresse, c'est la région parisienne, c'est la région lilloise ou la région de Lyon ou la région marseillaise, je ne dirais pas Rouen, mais enfin bon, c'est les métropoles. Alors la métropolisation, cette concentration urbaine d'activités de haut niveau et d'actifs de haut niveau a pour effet le départ, l'exil des classes populaires qui habitaient dans le centre des villes. Elles sont virées dans le cadre d'opérations d'urbanisme, dites de rénovation urbaine ou de réhabilitation, où les anciens quartiers populaires vont être libérés de la présence des ouvriers, des employés, sans parler des travailleurs immigrés, au profit des nouvelles classes. Et par exemple, bon, vous avez la création de ce que j'appelle, moi je fais exprès d'utiliser des mots qu'ils détestent, c'est le Boboland, c'est le territoire des bobos. Alors à Paris, vous savez où ça se trouve, hein, il y a plusieurs quartiers. Moi j'habite par exemple à deux pas de la place d'Italie, il y a un quartier qui s'appelle la Butte aux Cailles, un haut lieu de la commune de Paris, là au 19e siècle. Eh bien maintenant c'est complètement boboisé, faut dire gentrifié. Hein. Quand on est bobo, c'est mal vu. Hein, j'ai même vu quatre, qui ont pondu un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « Les bobos n'existent pas ». Eux, c'est des super bobos. Le mode de vie, le snobisme, les goûts, mais non, les bobos... Mais bien entendu, je sais bien que le terme « bobo » n'est pas scientifique. C'est un terme qui a été importé des États-Unis, comme beaucoup d'autres termes. Et le type qui l'avait fait, il s'appelait Mike Davis, journaliste du New York Times, et lui faisait l'éloge des bobos, parce que dans son esprit à lui, les bobos, c'était la classe dirigeante américaine moderne, celle qui travaillait dans les médias, dans l'électronique. C'était pas la famille Bush.
Hein, c'était pas les gens qui travaillaient dans l'industrie, c'est les gens qui travaillaient dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles activités. Il appelait ça les bourgeois bohèmes, parce qu'ils étaient bourgeois en tant que possédants, mais dans les secteurs dynamiques du capitalisme, bohèmes parce qu'ils avaient des goûts qui étaient en rupture avec la bourgeoisie traditionnelle. Hein. C'est là que ça a commencé, avec le féminisme, avec les trans queer et compagnie. C'était... Alors lui, Mike Davis, pour lui, les bobos, c'était des bourgeois, des vrais. En France, le terme a été importé, mais il ne désigne pas la bourgeoisie, il désigne justement ces membres des classes intermédiaires entre la bourgeoisie et le prolétariat des services, qui sont indispensables au fonctionnement et à la modernisation du capitalisme, et qui ont des goûts, effectivement, qui sont issus d'ailleurs de mai 68, entre nous soit dit, très modernes, très post-modernes, mais qui ne sont pas des, ce ne sont pas des dirigeants de la bourgeoisie, contrairement au terme bobo inventé par ce journaliste américain. Parallèlement à votre analyse de l'ascension de la petite bourgeoisie intellectuelle dans l'accaparement des quartiers populaires, il y a aussi la réponse de l'État face aux émeutes, par exemple 1981-2005, qui consiste en fait au développement de la mobilité pour désenclaver, je cite, ou l'équipement culturel, etc. Dans ces zones d'éducation prioritaire aussi. Ou les ZEP, les choses comme ça. Mais pour vous, cette réponse, je pense, c'est pas une réponse réellement sociale, car elle ne va pas au fond du problème. Mais elle va pas aux causes. On est dans un pays qui s'est désindustrialisé, massivement. Soit que des industries traditionnelles ont disparu, soit elles sont parties dans d'autres pays, ou soit elles sont parties dans d'autres régions. Désormais, maintenant, les enfants de la classe ouvrière... qui sont très souvent, pas exclusivement, mais d'origine immigrée, n'ont plus de boulot en perspective. Sinon, des boulots, comme ils disent, de merde. Ils sont pas du... Et par ailleurs, ils sont complètement conditionnés par la société dans laquelle on est, société dite de consommation. Le résultat, beaucoup d'entre eux, ne trouvant pas de boulot, n'ayant pas de perspective à l'école, l'enseignement n'est pas adapté non plus à ces gens-là, faut pas l'oublier. De toute façon, l'enseignement en France, avec les multiples réformes qui se sont succédées, est dans un état catastrophique dès le primaire. Et le résultat, c'est que pour résoudre leurs problèmes, ils recourent à l'économie dite souterraine ou dite parallèle. Donc beaucoup, c'est le trafic de dope, la drogue, etc. D'autres, c'est carrément la délinquance violente. Hein, cambriolage, les voitures béliers, etc. Et le résultat, c'est qu'il y a un développement de l'insécurité, comme ils disent, dans un certain nombre de quartiers populaires, périphériques et même centraux. Alors, le résultat, on a dit, on a lancé une politique dite de la ville. Moi, j'appelle ça la police de la ville, c'est-à-dire utiliser des moyens pacifiques au départ, donc ceux qui ont été évoqués, hein, avec des zones d'éducation prioritaire, un effort sur la culture ou sur la distraction. Et cette politique de la ville, bon, j'ai écrit quand même, je ne sais plus, trois bouquins au moins là-dessus. L'un, il s'appelait « Des barbares dans la cité », donc c'est ironique comme titre. Le deuxième, « La bourse ou la ville », c'est-à-dire le capitalisme urbain qui disparaît au sens de culture. Et le troisième, je ne me rappelle plus, « Le nouvel ordre local ». C'est un jeu de mots avec le nouvel ordre mondial. Justement, le nouvel ordre mondial de concentration du capital à l'échelle transnationale a pour effet la prolétarisation et la marginalisation, la paupérisation des classes populaires, d'une partie des classes populaires. Donc il faut maintenir l'ordre et dans les quartiers dits d'habitat social. Et donc on en est là, quoi. Et ça ne s'est pas amélioré. Ça a commencé à la fin du, j'allais dire, du règne de la présidence de Giscard d'Estaing, à la fin des années 70. La gauche arrive au pouvoir, alors ils ont essayé de mener une politique plus dynamique, mais ça n'a pas résolu les problèmes. Vous évoquiez tout à l'heure les émeutes qui ont eu lieu en 82, 83, puis on ne va pas remonter jusqu'à récemment. Pour passer à la deuxième partie, justement, ce sera plus précisément sur la deuxième droite. Donc vous êtes vraiment particulièrement connu pour avoir écrit beaucoup d'articles. Oui, avec Louis Janover au départ, un anarchiste libertaire. Le titre justement d'un de vos ouvrages qui s'appelle « La deuxième droite » avec Louis Janover, en 86, réédité en 2013 aux éditions Agone. Pour vous, c'est en fait cette deuxième droite, c'est la gauche de gouvernement. Vous qui êtes plutôt très très à gauche, on pourrait dire, c'est pourquoi est-ce que vous préférez, vous trouvez plus important de critiquer la fausse gauche que la vraie droite? Pourquoi tirer sur son propre camp au final que de l'autre côté de la barricade? Voilà, vous formulez la question d'une manière qui va amener de l'eau à mon moulin. C'est pas mon camp.
Parce que ces gens-là ont abandonné le camp du peuple. Bien entendu, quand on les entend, alors avec Mélenchon, c'est reparti. Union populaire, Parlement populaire, le peuple par-ci, le peuple par-là. Mais ce n'est pas le premier démagogue à parler du peuple. Hein. Vous savez, Hitler disait « Ein Reich, ein Volk, un peuple, un Reich et un Führer hein. ». Bon, le peuple, c'est tous les démagogues qui se prétendent démocrates parlent du peuple. Ce qu'il y a, pourquoi je tire d'abord sur eux ? Parce que eux déjà font le boulot de tirer sur la droite traditionnelle. La pseudo-gauche, son fond de commerce, c'est de s'en prendre soit à l'extrême droite, soit à la droite traditionnelle. En termes de parti, c'est de s'en prendre soit au Rassemblement national, soit de s'en prendre à La République En Marche ou aux Républicains. Ils font déjà le boulot. Vous lisez Le Monde diplomatique, pour prendre un exemple, c'est typique d'un petit bourgeoisie intellectuel, leurs ennemis principaux, c'est l'extrême droite et la droite traditionnelle, qui existe depuis des lustres, quoi. Et moi, je dis, ils font le boulot de critiquer le néolibéralisme, je ne vais pas faire double emploi avec eux. Simplement, je parle du néolibéralisme, je dis, ce qui fait la force de la bourgeoisie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opposition réelle au capitalisme. Ça, c'est sa force. Il n'y a pas d'opposition réelle. Il y a des gens qui font quelques numéros, évidemment, dans un amphithéâtre universitaire ou dans des conférences contre le capitalisme. Et de plus en plus, d'ailleurs, ils ne prononcent pas le mot capitalisme, ils disent néolibéralisme. Pour l'instant, et c'est valable pour les autres pays, c'est valable pour tous les pays d'Europe, les gens qui se disent socialistes ou de gauche ont perdu, comment dirais-je, l'habitude de s'en prendre au capitalisme. Ils s'en prennent à la forme néolibérale du capitalisme. Leur rêve, c'est le retour d'un capitalisme abondé, d'un capitalisme adouci par l'État social. Il y en a un qui est très représentatif de cela, c'est l'historien et démographe Emmanuel Todd. Il dit « Je suis pour un capitalisme apprivoisé ». Ça va bien. Ces gens-là sont tous domestiqués, ils veulent apprivoiser par le capital, ils veulent apprivoiser le capitalisme. C'est totalement ridicule. Je dis, bon, tant qu'il n'y a pas d'opposition réelle au capitalisme, et pas au seul néolibéralisme, la bourgeoisie peut dormir tranquille. C'est ce qui se passe d'ailleurs, et ça se traduit politiquement par des cohabitations, comme on dit si bien, entre des présidents appartenant à des partis opposés, un de la vraie droite et l'autre de la fausse gauche. Et voilà pourquoi j'appelle ça la deuxième droite. Et il y en a une troisième en gestation, ce sont les soi-disant insoumis. Je crois qu'on devrait enlever le préfixe 1 à cette appellation, parce qu'ils sont aussi soumis que les autres. Vous qui avez évolué au sein de l'université, là où il y a la pointe de cette gauche-là, vous soulignez en fait qu'il y a un fossé très très profond, un décalage entre le monde universitaire et le monde du travail. Et pourquoi, selon vous, il y a un décalage aussi concret entre des gens qui se disent néo-marxistes ou chercheurs sur le monde du travail et qui souhaiteraient même, pour certains, l'abolition du salariat Cela, c'est une minorité. Mais ceux qui sont contre l'État et contre le salariat, c'était les anarchistes. Hein, jadis, il y a eu des anarchistes. L'ennemi, c'était l'État et ce que Marx appelait l'esclavage salarial. Bon, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est un salaire correct et un État social. Ce n'est pas exactement la même chose. On peut avoir un salaire correct dans le cadre du capitalisme, tant que le capitalisme n'a pas d'opposition réelle. Il faut savoir une chose, ou se rappeler d'une chose. Les capitalistes, les bourgeois, n'ont consenti à des réformes favorables aux classes populaires que sous la menace réelle ou fantasmée d'une révolution. S'il n'y a pas cette menace, ils font ce qu'ils veulent. D'où la série de réformes, entre guillemets, qui se sont succédées depuis l'arrivée au pouvoir de Giscard d'Estaing en France. En fait, cela voudrait dire que la petite bourgeoisie intellectuelle, notamment qui travaille dans les universités, en fait, aurait une double pensée, voudrait... Il voudrait un monde universitaire où il soit... Mais garder le confort, en fait. Ah ben oui. Il voudrait un monde universitaire, premièrement, où il soit mieux payé, où il soit plus facile d'y accéder, où il n'y ait pas, comme actuellement, des phénomènes de prolétarisation dans le milieu universitaire. Vous avez des bacs plus 4 ou 5 qui n'ont pas de boulot. Il ne faut pas l'oublier maintenant. Il y a une surproduction, en gros, de travailleurs intellectuels. Ceux-là, il faut les mettre quelque part. Parce que qu'est-ce qui va se passer? En mai 68, il y a eu ça, justement. C'est que les petits bourgeois étudiants
qui s'était accumulé, je le répète, il y en avait à peu près, à l'époque, 200, 250 000, maintenant on est à 2 millions. Vous voyez, alors, ces gens-là, en mai 68, voulaient, je le répète, accéder au pouvoir politique, pour avoir un pouvoir politique qui soit à la mesure du pouvoir intellectuel et économique qu'ils avaient à l'époque. Après mai 68, il y a eu la vague rose au municipal de 1975. On a vu une armée d'anciens 68ards, ou de gens du Parti socialiste, ou d'anciens du PSU, même des communistes, qui sont arrivés au pouvoir dans les municipalités. C'était la première étape, le pouvoir local. La deuxième étape, ce sera le 10 mai 81, où ils arriveront au pouvoir central avec la présidence de François Mitterrand. Est-ce que, selon vous, on est peut-être à l'orée d'une, alors pas d'un nouveau 68, mais d'une nouvelle explosion d'insatisfaction de la petite bourgeoisie intellectuelle, mais qui n'aurait pas de débouché en termes de confort, en termes de même de au niveau symbolique. Est-ce qu'on est dans ce genre de situation ou... Ben, d'abord, il y a le problème de des alliances de classe. C'est-à-dire, pendant très longtemps, cette petite bourgeoisie intellectuelle se prétendait la... comment dirais-je, représentant des classes populaires, pas l'oublier. Tous partis socialistes, partis communistes, partis socialistes unifiés, c'est-à-dire que, selon la tradition, et remonte à très longtemps, il y avait des théoriciens marxistes allemands, je ne vais pas donner les noms pour ne pas être pédant, au début après la révolution spartakiste, hein, qui disait que, il y en a un d'eux qui disait, le petit bourgeois, c'est quelqu'un qui parle au nom des petits pour devenir grand. On parle au nom des petits, c'est des classes populaires, pour devenir un bourgeois, c'est-à-dire un dirigeant capitaliste. Bon, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans ces classes-là, il y a ceux du haut du panier qui peuvent effectivement s'en sortir. Ils peuvent arriver au pouvoir. Ils peuvent, à travers les grandes écoles ou à travers certaines universités sélectives, accéder à des postes satisfaisants et sur le plan financier, matériel, et sur le plan symbolique du prestige. Hein, tous les gens qui font Sciences Po, l'ENA, toutes les business schools, puisque maintenant, on ne dit plus école de commerce, hein, enfin bon, tous ces gens-là, ils sont sûrs de trouver du boulot. En revanche, vous avez une armada de gens qui auront, je ne parle pas du bac, qui le bac est complètement vide de sens, bac plus 2, même bac plus 3, qui ne sont pas sûrs d'avoir du travail, ou d'avoir un travail stable, ou d'un travail bien rémunéré. Alors effectivement, ces gens-là peuvent se radicaliser, s'en prendre à un système néolibéral, mais pour ça, il faudrait qu'ils perdent l'habitude de considérer les classes populaires comme des moins que rien. Vous voyez ? Parce que là, il fallait voir, on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, j'ai vu les réactions durant les deux premiers samedis, il fallait voir la réaction de certains de mes collègues. C'était un mépris total, en disant que c'était des beaufs, des fachos... du français bas de gamme, etc. Actuellement, il y a un mépris très répandu dans les classes néo-petites bourgeoises pour les classes populaires, qu'elles soient ouvrières, on voit de disparition, si on peut dire, on les voit moins, soit ceux qui travaillent dans les services. Quoi. La caissière de supermarché n'est pas à l'esprit du néo-petit bourgeois, c'est pas quelqu'un à qui on va s'intéresser beaucoup. Il y a que les gauchistes qui vont les soutenir une grève chez Carrefour, vous voyez. Mais ça peut être aussi les gilets jaunes, comme ils l'ont fait. Rappelez-vous qu'il n'y a pas eu que les péages et les ronds-points, il y a eu aussi un certain nombre de parkings d'hypermarchés qui ont été des lieux de rassemblement des gilets jaunes, solidaires avec les travailleurs des hypermarchés, qui bloquaient d'ailleurs la marche des affaires dans les supermarchés. Donc moi, effectivement, on peut dire d'un côté, est-ce que ce qu'on appelle la crise du capitalisme, alors là, il faudrait revenir à d'autres aspects, en ce moment avec l'augmentation des prix qui recommence, dans tous les domaines, les biens de consommation les plus utiles, y compris d'ailleurs le carburant, avec la gestion autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, du Covid, elle a été bien supportée, on peut dire globalement. Les gens qui refusent les injonctions à l'injection, c'est-à-dire qui refusent les pseudo-vaccins, les gens qui ont refusé d'une manière ou d'une autre le confinement, ou qui ont refusé ou qui ont mis vraiment, parce qu'on les forçait, le foulard, ou qui ont accepté le passeport, l'Ausweis vaccinal, sont minoritaires. Il faut le savoir. Vous le savez comme moi, j'en fais partie. Alors je vais me placer pour savoir, quand on va à une manif, que ce soit aujourd'hui celle des Gilets jaunes contre
la dictature sanitaire, ou que ce soit celle, bien que je sois d'extrême-gauche, celle de Philippot, à Paris, hein, qui est sur les mêmes positions, on est quand même minoritaire, même si on est plusieurs milliers. Mais cette crise-là n'a pas arrangé le psychisme, la mentalité des gens. Il y a un stress permanent, et ça risque d'être payé aussi. La crise environnementale, ça, je laisse ça aux bobos. C'est pas les couches populaires qui s'en préoccupent beaucoup. Les bobos, oui, ils s'en occupent. C'est leur principal fonds de commerce. Ils votent vert pour cette raison-là, ou ils votent Mélenchon avec sa planification écologique. Mais effectivement, et alors maintenant, avec donc la guerre de l'Ukraine et le type de privation qui peut s'en suivre du fait des sanctions infligées à la Russie, tout cela peut faire que la situation des classes populaires se détériore davantage, et que celles dont vous parliez, des franges, disons, inférieures de la petite bourgeoisie intellectuelle, eux aussi risquent d'en faire les frais. Est-ce que ça peut créer une radicalisation, mais qui est pour horizon d'en finir la rupture avec le capitalisme? Mais c'est pas ça pour l'instant. Personne ne parle, sauf dans les groupuscules, dans certains groupuscules, et encore de moins en moins nombreux, de rupture avec le capitalisme. Rasez-vous ce que... Enfin, vous êtes trop jeune. Mitterrand, qu'est-ce qu'il disait lors de la fondation du Parti Socialiste en 1971? Celui qui n'accepte pas la rupture avec le capitalisme n'a pas le droit d'adhérer au Parti Socialiste. C'était la fondation du Parti Socialiste au congrès d'Épinay en 1971. Bon, Mitterrand était une fripouille, il a bouffé à tous les râteliers, il a même collaboré, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, personne ne parle de socialisme. Personne. La planification idéologique, c'est la révolution citoyenne. Tout le monde est citoyen, depuis le prof de fac jusqu'à la caissière du supermarché et jusqu'à Bernard Arnault. Il n'y a plus de classe sociale dans le discours. Dans vos chroniques marxistes-burlonistes parues en 2017, vous attaquez à la nouvelle stratégie socialiste théorisée en 1985 par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui relègue la lutte des classes au musée du marxisme. Et le marxisme lui-même. Et justement, ça n'aboutit plus qu'à une réforme du capitalisme et non pas à sa fin. Pourquoi cette déconnexion de la sphère politique et du contexte économique de ce volontiers intellectuel-là? Parce que ces gens-là pensent que s'il doit y avoir un changement de société, pas un changement de société, un changement dans la société capitaliste, il n'y a pas besoin de parler des fondements économiques tels que l'exploitation et la domination. Pour eux, c'est un changement fondamentalement culturel. Elle le dit d'ailleurs elle-même, somme toute, les classes sociales, c'est le produit d'un discours. Ça n'existe pas dans la réalité. Elle le dit dans ses bouquins, elle le dit dans ses interviews, elle le dit dans ses articles. Il ne faut plus. On est dans une société sans classe. Mais pas parce qu'on aurait vaincu la bourgeoisie, mais parce que pour elle, et pour les gens qui la suivent, les classes sociales, c'est un concept inventé par les marxistes qui correspond à une autre époque, mais qu'aujourd'hui, elle n'existe plus, vu que tout est affaire de discours. Et si dans un... Alors, elle critique ce qu'elle appelle la conception substantialiste des classes sociales qui existeraient dans la réalité. Elle dit non, ça existe dans le discours. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a ceux d'en haut et ceux d'en bas. Elle dit, il y a le bloc populaire et puis il y a l'oligarchie. Mais c'est pas du tout pareil. Le bloc populaire, elle inclut généreusement les plus privilégiés des néo-petits bourgeois. Et dans le bloc populaire, on est tous dans le bloc populaire. C'est exactement la politique de Mélenchon quand il fait un soi-disant Parlement populaire, Union populaire, où on voit dans le Parlement populaire le gratin du CNRS ou des différentes universités. C'est pas du tout. Ou alors, on peut redéfinir ce qu'on veut dire populaire. La bourgeoisie dit le peuple français. Alors ils comprennent les bourgeois. Le peuple français, c'est tout le monde, hein, en France. Il n'y a pas de classe. Elle, c'est pareil. Simplement, il y a les méchants, pour elle, c'est l'oligarchie. Une fois qu'on a eu l'oligarchie, il disait avant les 1%. Ils ne sont pas 1%. Si on fait la bourgeoisie plus la petite bourgeoisie intellectuelle, ça fait quasiment la moitié de la population française active. La population des ouvriers et des employés, c'est 50% des actifs en France. En France, c'est dans les pays développés. Le reste, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle. La bourgeoisie elle-même, ce n'est pas 1%. C'est peut-être 10 à 12%. Et puis le reste, en dessous, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle. Et Chantal Mouffe, elle, et c'est pas pour rien que ceux qui l'ont suivie, c'est la caste universitaire qui se reconnaissait dans ses théorisations sur la disparition des classes sociales. Ça a commencé en Amérique latine, où elle a conseillé bon nombre de partis de gauche, et ça s'est traduit par un échec. Et elle a conseillé ensuite Syriza en Grèce,
et Tsipras, on a vu où ça a amené. Elle a conseillé ensuite Podemos, et après, qui est-ce qu'elle a conseillé? Mélenchon et sa bande, avec le même discours. C'est toujours, et ouais, elle est en tête avec les manifs, bon. Et elle, c'est une typique représentante d'une classe qui ne veut pas entendre parler de classe sociale, ni de lutte de classe. Et justement, est-ce que aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui se passe, la petite bourgeoisie intellectuelle ne serait-elle pas complètement grillée? On n'arriverait pas au bout d'un chapitre, ou même d'un fin de cycle, pour cette classe-là qui existe depuis 50 ans à peu près? Est-ce que elle n'est pas en passe de perdre en fait son statut privilégié et une certaine aura qu'elle... Elle peut le perdre, mais la crainte de le perdre n'engendre pas forcément des réflexes révolutionnaires. Il a suffi de voir, je reviens à la dictature sanitaire, les Covidés, ceux que j'appelle les Covidés, c'est ceux qui ont accepté, c'est le troupeau qui a accepté d'être injecté. Les Covidistes, ce sont les activistes de l'injection, ceux qui font de la propagande. Là-dedans, tous les petits bourgeois, les petits bourgeois intellectuels, je vois mes collègues ou mes ex-collègues, que ce soit au CNRS, que ce soit dans les facs, très peu ont résisté aux injonctions de M. Véran et de toute la bande, ou de Mme Buzyn. Je vois avec l'Ukraine l'hystérie belliciste anti-russe et anti-Poutine est partagée par l'immense majorité de ces gens-là. Les derniers discours de Mélenchon aussi... On dirait qu'il utilise le vocabulaire de la propagande de l'OTAN. L'avant-dernière, c'était « Poutine, c'est un gugus, il ira pas loin... » Non, c'est deux crises, la crise sanitaire et la crise engendrée par ce qu'on appelle l'agression russe. Moi, j'appelle ça la riposte russe. Bon, on ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles Poutine a déclenché une guerre et pourquoi les Russes étaient obligés de se défendre avec l'avancée de l'OTAN depuis notamment le coup d'État de Maïdan en 2014. Là, je serai intarissable, je suis là-dedans jusqu'au nez. Bon, mais ces gens-là, jusqu'à présent, et ce n'est pas un hasard, c'est les gens les plus soumis au discours mystificateur des relais de Big Pharma et des entreprises et de von Leyen en Europe à propos de la crise du Covid, ce sont les mêmes qui reprennent le discours maintenant. Alors évidemment, ceux qui le lancent le plus, ce sont ceux qui sont au pouvoir, hein, c'est Macron, les autres, les grands bourgeois, etc. Mais parmi ces gens dits de gauche, ils sont ultra minoritaires, les gens qui ne reprennent pas le discours ce que j'appelle euro-atlantiste. De même, ils sont minoritaires, ceux qui ne reprennent pas le discours « soyez injectés, sinon vous êtes foutus, et si vous n'êtes pas injectés, vous êtes dangereux pour les autres ». Ils ont été... S'il fallait donner un brevet de soumission et pas d'insoumission, je l'accorderais volontiers à cette pseudo-gauche, à la lumière de ces deux crises, entre guillemets, crises sanitaires et guerrières. Eh bien, nous allons conclure sur ces belles paroles, cet entretien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Garnier, de nous avoir reçus pour cet entretien riche. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer, étant donné que je n'ignore pas depuis des décennies que je fais partie des minorités. Malheureusement, pas très agissantes. On n'en a pas les moyens. Je rappelle à nos téléspectateurs des ouvrages de Jean-Pierre Garnier que vous pouvez retrouver. Émanciper l'émancipation aux éditions critiques, le grand guignol de la gauche radicale, chronique marxiste burloniste, toujours aux éditions critiques, et la deuxième droite coécrit avec Louis Genovert, édité aux éditions Agone, et toujours aux éditions Agone, mais uniquement Jean-Pierre Garnier, une violence éminemment contemporaine, et c'est sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle et l'effacement des classes populaires. Merci à vous et au prochain numéro.